Mercredi 20 juillet 2022, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, la réunion des ministres du sous-comité technique énergie pour la validation des textes relatifs à la mise en place de la commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale s'est tenue à Kinshasa et ce en prélude de la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce journal. C'est officiel, le gouvernement congolais ajoute encore 11 blocs pétroliers et gaziers dans l'appel d'offres prévu ce 28 juillet 2022. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, l'a annoncé lors d'un point de presse. Il affirme que cet appel d'offres est fait pour attribuer des droits des hydrocarbures conformément à la loi y afférente. On en parle avec Séverine Pascal Katanda. En vue de maximiser l'opportunité pour le pays dans le cadre de processus d'attribution de droits d'hydrocarbures, la RDC, à travers le ministère des Hydrocarbures, vient d'ajouter 11 autres blocs pétroliers sur les 16 présélectionnés et retenus par la première phase dans trois bassins sédimentaires dont dispose le pays. Didier Boudimbou a, par un point de presse porté à la connaissance de l'industrie pétrolière nationale et internationale, la levée d'options du gouvernement de lancer l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers sur les 30 que dispose la RDC. La République démocratique du Congo, à travers le ministère des Hydrocarbures, organise des appels d'offres sur les blocs pétroliers en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures, dont le lancement est prévu le 28 juillet 2022. Le présent appel d'offres porte sur les blocs ci-après. Pour le bassin côtier, il y en a trois. C'est le bloc Yema 2, le bloc Nganzi, le bloc Matamba-Makanzi 2, province du Congo central. Pour la cuvette centrale, il y en a 9. Pour le Graben Tanganyika, nous avons retenu 11 blocs. Le bloc Kalemi, le bloc Kitukumoliro, le bloc Mulula Lubanga, le bloc Kakelua Kabobo, le bloc Kabimba, le bloc Kibi Fatuma, le bloc Mpala, le bloc Moba, province de Tanganyika, le bloc Kibanga Kisoshi, le bloc Uvira, le bloc Baraka, dans la province du Sud Kivu. Pour le Graben Albertine, nous avons retenu 4 blocs. Le bloc 1, le bloc 2 dans la province de Ituri, le bloc 4, le bloc 5 dans la province du Nord Kivu. Pour le bloc gazier, nous en avons retenu 3. Tous ces blocs sont dans le lac Kivu. Le bloc Makelele, le bloc Idui, le bloc Luanjofu. Ces appels sont faits conformément au régime général du ministère des Hydrocarbures. La 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté économique de l'Afrique centrale va se tenir à Kinshasa, une rencontre qui se tient dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces de paix, de sécurité et de stabilité. L'annonce de cette grande rencontre a été faite par le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie. On écoute cela dans ce reportage de José Baïtombo. Au regard de son importance dans divers domaines d'activité, l'énergie demeure un défi majeur économique et social des États africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier, une région caractérisée par une insuffisance en énergie. Les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale tableront sur cette question à la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements des États membres de la CAC qui se tiendra le 25 juillet 2022. À Kinshasa, dont les travaux préparatoires sont lancés en ces jours. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président du sous-comité technique spécialisé énergie de la CAC, Olivier Mouenze-Moukaleng, a peint les tableaux de la situation énergétique de l'Afrique centrale. Une interconnexion des réseaux électriques encore embryonnaire entre nos États. Une capacité estimée de production électrique d'environ 12 gigawatts qui ne permet pas de satisfaire la demande de nos populations et celle de nos voisins. Le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Assil Okito-Wakoy, qui a ouvert les travaux préparatoires, a appelé les experts à plus d'abnégation dans le travail. Et j'exhorte les ministres et membres du Conseil du Comité technique spécialisé de la Défense, Sûreté et sécurité, ainsi que les ministres et membres du comité technique spécialisé de l'énergie, à ne ménager aucun effort
durant cette session ordinaire pour atteindre les objectifs de paix d'une part et de développement du secteur énergétique d'autre part. Le travail de la Commission régionale de la régulation de l'électricité d'Afrique centrale vise à renforcer la gouvernance et la durabilité du secteur de l'électricité dans la région. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a échangé avec le représentant résident de l'UNICEF sur la vaccination contre les maladies infantiles qui a connu une baisse sensible pendant la pandémie COVID-19. Doris Mozotamboué. L'essor des enfants et leurs mères congolais sur la table du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena-Pala, qui les a abordés avec Grand Philippe Léti, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF RDC. La surveillance de la pandémie de COVID-19 a impacté négativement sur la vaccination de routine des enfants. La disponibilité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et sa longue expérience à l'Assemblée nationale comme député sont des atouts pour aider à la prise en charge holistique de ces questions infantiles. Donc on a abordé la question de sort des enfants en ce moment. Nous sommes très préoccupés avec la vaccination de routine. À cause de COVID, les taux de vaccination ont vraiment chuté. Et donc ça voudrait dire qu'il y a des risques maintenant qui sont plus importants pour des maladies comme rougeole. Donc ça, c'était le premier aspect. Deuxièmement, aussi, on est préoccupé par la situation à l'Est, parce qu'il y a des civils qui se trouvent, il y a des enfants, des mères, des civils qui se trouvent parmi ces conflits. Et non seulement le petit nom, mais on voit bien que la situation demeure compliquée aussi dans d'autres zones de Nord-Kivu, d'Ituri, de Sud-Kivu. Donc on a juste souligné notre engagement pour renforcer nos programmes. Dans les situations de développement, et bien dans des situations un peu plus compliquées. Ces relations avec les agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF, sont une réelle aubaine pour les enfants de la République démocratique du Congo. Contrairement à ce qui a été diffusé dans les réseaux sociaux, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, fixe l'opinion sur le motif du déplacement de la délégation congolaise en Ouganda à la rencontre du président Yoweri Museveni. Le ministre de la Communication a précisé que c'était sur demande du président Museveni que son homologue congolais a dépêché une équipe conduite par le ministre des Infrastructures. On écoute Patrick Muyaya dans ce reportage. À Luanda, nous sommes dans un processus bilatéral. À Kampala, c'était une consultation. Un président qui est impliqué sur le sujet, parce que vous savez que nous parlons des sécurités, y compris avec l'Ouganda. Nos armées sont en opération conjointe. Il y a un projet de construction de route sur lequel nous travaillons, sur une partie de Beni, je pense, alors que du côté de Bounagana, c'est bloqué du fait de ce qui se passe. Donc il faut dissocier les deux processus. À Luanda, on a commencé un processus qui a fait suite à la médiation qui a été confiée au président Lorenzo dans le cadre de la CIRGL. Il y a eu évidemment cette forme de difficulté dans la compréhension de la feuille de route. Mais la feuille de route, c'est les premiers points sur lesquels les deux délégations vont débattre dans 2 jours. Parce que nos experts s'apprêtent à y aller, parce que vous savez l'Angola a perdu le président Dos Santos et qu'ils observaient 8 jours de deuil national. Et donc c'est dans ces processus-là que le sujet sera abordé. De toute évidence, je répète ce que nous avions dit la dernière fois avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Nous nous sommes engagés sur 4 fronts. Le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique et le front judiciaire. De toute évidence, toutes ces personnes qui décèdent sous l'emprise du Rwanda du M23,
toutes ces mamans qui aujourd'hui vivent une situation humanitaire catastrophique. C'est des choses que nous ne pourrons jamais laisser impunies. La mutation en cours que connaît l'administration publique, l'amélioration des conditions salariales, des sujets au cœur de cette rencontre entre le vice-ministre, un ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avec le personnel de cette administration. Plus de détails dans ce reportage de Nadine Kilocho. La paix est un impératif pour tout le peuple congolais. Le gouvernement de la République est déterminé à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne en Ituri. Et les efforts menés dans le cadre de l'état des sièges produisent déjà des avancées en faveur de la paix. Arrivé à Bounia, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la nation congolaise. Nous saluons ici les efforts actuellement déployés par les autorités militaires qui ont été ici mises en place pour faire revenir la paix. Parce que la paix n'est pas une option pour nous. La paix est un impératif pour le peuple congolais. Le peuple de l'Ituri doit continuer à se battre, à faire bloc derrière le président de la République pour mettre hors d'état de nuire tous ses ennemis de la paix. En dépit des efforts sécuritaires, l'État doit fonctionner. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, est à Bounia dans le cadre de sa tournée pour se saisir des problèmes de tous les fonctionnaires pour des réponses idoines. Nous devons entrer dans une nouvelle phase en ce qui concerne l'administration publique. Notre administration publique, ce n'est un secret pour personne. Pas mal. Partout à travers le pays. Et nous avons reçu mission du chef de l'État de la réduire, de la réformer. Eh bien, j'ai une conception de la réforme. La réforme, on ne la réussit pas en étant dans un bureau climatisé à Kinshasa. Il faut être à l'écoute des fonctionnaires et de tous les fonctionnaires, où qu'ils soient. Malgré l'état de siège, le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a été accueilli par le gouverneur militaire et tout son staff. À cela s'ajoute l'effervescence de la population venue en masse à l'aéroport, les partis politiques de l'Union sacrée de la nation, ainsi que toutes les forces vives de la province de l'Ituri. La présence des autorités congolaises dans cette partie du pays redonne espoir au peuple de l'Ituri qui fait bloc derrière le chef de l'État pour la paix et la sécurité. Et à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle INPP est dotée de nouveaux bâtiments modernes qui abriteront des ateliers et des laboratoires pour la formation de la jeunesse. Ces ouvrages qui seront inaugurés très prochainement ont fait l'objet de la visite de la ministre de tutelle, Claudine Ndoussi, qui séjourne dans cette partie du territoire national. Willy Atunakov, reportage. C'est par le grand chantier de construction des bâtiments modernes de l'Institut national des préparations professionnelles, INPP, Bagira, à Bukavu, au sud Kivu, devant abriter les ateliers, laboratoires et autres salles de formation professionnelle moderne, que Claudine Ndoussi Mwakembe a débuté lundi 18 juillet 2022 sa mission officielle à l'est du pays, dans le cadre du suivi des interventions des établissements publics placés sous sa tutelle. Après la commune de Bagira, direction le siège provincial de l'INPP Sud Kivu, situé dans la commune d'Ibanda, où la patronne de l'emploi en RDC, qui tient à résoudre, tant soit peu, la problématique de l'employabilité des jeunes désœuvrés en République démocratique du Congo, a eu des échanges fructueux avec la dernière promotion des jeunes formés, promotion baptisée Génération Fachi. Il est important que nous puissions nous rassurer de ce que font nos responsables partout où ils sont et les accompagner pour ne pas les encourager. Telles sont les difficultés pour pouvoir trouver des voies et moyens pour en sortir. Nous avons reçu la recommandation du chef de l'État en tant que ministre que chacun puisse s'investir pour participer à l'effort de guerre qui est en train de connaître notre pays. Ces jeunes, récemment formés dans différents domaines tels que la mécanique auto, l'électricité,
la plomberie, l'agriculture et la menuiserie, appelés soit à œuvrer dans les structures existantes, soit encore à créer leurs propres emplois, ont exprimé leurs remerciements au chef de l'État pour sa vision politique sur l'emploi des jeunes à travers cet infatigable warrior du gouvernement Samalou Kondé, appelé ici affectueusement Mamani Mama. En ce jour de travail dans le Haut-Katanga, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, a été conduit par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Charles Médard Ilunga, sur les concessions Lubumbashi, Kasumbalesa et Kasumbalesa-Sakanya, un projet très impressionnant par la qualité de la réalisation, nous dit le ministre des Infrastructures. Reportage. Cette réalisation devrait être modélisée pour servir de standard à toutes les concessions routières mises en place au pays. C'est par cette phrase que le ministre d'État, ministre des Infrastructures, a résumé sa satisfaction après le parcours des ouvrages réalisés dans le cadre de la concession de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya. Conduit par son maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise des grands travaux, avec à sa tête son directeur général, l'ingénieur Charles Médard Ilunga, le ministre et sa suite s'engagent sur cette route réalisée par la firme chinoise CESC grâce à un financement d'une hauteur de 229 millions de dollars obtenu du concessionnaire Jiayu. La qualité de la réalisation laisse en voie au vu du respect des standards plutôt élevés. Plusieurs arrêts sont observés sur le parcours et le ministre qui s'intéresse aux moindres détails reçoit les explications des agents de la mission de contrôle de la CGT qui suit au quotidien le projet. C'est à Sakania où le port sec de 8000 camions de capacité d'accueil est en cours de finalisation que le ministre d'État a bouclé cette visite, saluant le management de ce projet par la CGT et ses ingénieurs. Le projet dans sa phase finale pourra accueillir jusqu'à à peu près 8000 véhicules ici, ce qui va contribuer énormément à résoudre les problèmes d'engorgement que nous connaissons à Kasumbalesa. Une mention particulière pour l'entreprise parce que cette route entre Kasumbalesa et Sakania a été réalisée pratiquement en 12 mois. 150 km en 12 mois, c'est une performance qu'il faut signaler. Bien avant, le ministre d'État avait inspecté l'autre concession de la région, concession établie sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa. L'heure est à la pose de la couche de roulement qui devrait pour la première fois depuis 2015 couvrir tous les linéaires de la route. Et puis, dans le Congo central, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Joseph Ntsalambi, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Ndingi-Sanda sous le tronçon compris entre la localité Ndingi-Ndingi et Sanda dans le Congo central. On en parle dans ce reportage de Emmanuel Commissaire. Bulldozer en action en présence d'une population rassurée, c'est dans cette atmosphère optimiste que le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Ntsalambi Ngabankita Joseph, a procédé le week-end dernier au lancement sur fonds propres de travaux d'entretien de la route Njilinsanda, particulièrement dans son tronçon compris entre la localité kinoise de Dingi-Dingi dans la commune d'Ntsele et celle d'Ntsanda dans le secteur de Lukungamputu en territoire des Kasangulu au Congo central. C'est depuis deux décennies que ce tronçon routier est plongé dans un état de délabrement, cause du calvaire subi par les usagers et la population rurale de ce coin du pays. J'ai commencé à désenclaver des endroits difficiles. Le village Yanda, une montagne, la route était impraticable. Les véhicules étaient embourbés pendant la saison pluvieuse. Et moi, j'ai dit faire l'avant-goût avant les débits effectifs des travaux qui sont retracés. Dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai voulu, avant la tombée des pluies, soulager un peu cette population. Outre ce projet de la route, plusieurs écoles aujourd'hui ont reçu des tôles au secteur. Je suis là avec les trois grandes salles, presque à la fin. Les forces vives des Kasangulu apprécient à sa juste valeur ce geste de leur élu. Comme quoi, la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur le développement des 145 territoires est en marche.
Au chapitre de l'agriculture, certains produits sortis des boulangeries congolaises, comme le pain, contient une importante quantité de manioc panifiable. Ce produit riche en protéines est le fruit d'un grand projet agricole initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Patrick Michel Moukouille nous en dit plus. C'est dans ce champ de manioc, à perte de vue, loin du centre-ville de la capitale, que prend corps cet immense projet agricole aux grandes attentes. Initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut faire prendre le riche sol congolais, longtemps dominé sa revanche sur le sous-sol, l'agenda de transformation agricole donne déjà ses premiers résultats avec de tubercules de manioc transformés en farine pour servir non seulement à la consommation, mais beaucoup plus à la fabrication du pain. Le chargé de mission du chef de l'État, M. Pacifique Acha, qui suit de près la matérialisation de ce projet soutenu techniquement par l'Institut international d'agriculture tropicale, a exprimé sa satisfaction après visite de la chaîne d'exécution du projet. On les plante dans les petits champs ici. Oui. On les laisse une semaine. Oui. Parce que pendant la phase de germination, les plantes ont besoin de chaleur et de lumière. Okay. Et une fois, maintenant, on ouvre la boîte parce que la croissance ici, c'est 2 semaines pour booster la croissance. Dans cette usine de transformation du gouvernement, plusieurs tubercules récoltés sont transformés en poudre depuis plusieurs mois maintenant. Grâce à cette idée novatrice du chef de l'État, et à l'instar d'autres pays africains qui connaissent l'autosuffisance alimentaire, cette farine, qui en grande quantité prend le chemin de boulangerie, propose une meilleure qualité en protéines aux boulangers et aux consommateurs congolais. Une baguette fabriquée dans cette boulangerie, par exemple, est composée de 10% de farine de manioc panifiable. Cette composante du manioc n'est que la première filière de ce vaste programme agricole qui ambitionne l'autosuffisance alimentaire et l'essor de l'agrobusiness en République démocratique du Congo. Et puis, le nouveau directeur général intérimaire de l'Office de gestion de fret multimodal a réuni tous les directeurs et autres cadres pour leur donner des nouvelles orientations. Philippe Kiipo, c'est son nom, place son mandat sous le signe de la redynamisation des services en vue de faire jouer cet établissement public son rôle dans le développement de la chaîne de transport. On en parle dans ce reportage de Dichala Katala. La situation qui a prévalu à l'Office de gestion du fret multimodal ces derniers mois oblige la prise de conscience de tous, cadres et agents, pour maintenir ce levier important du commerce national en pleine forme. Le nouveau directeur général par intérim, Philippe Kiumpu Kinyoso, qui a tenu une première réunion avec les agents à Kinshasa, a voulu passer un message à l'ensemble du personnel de partout au pays, comme c'est lui, des postes avancés à l'extérieur du pays. L'éthique, l'amour, la discipline, surtout le respect de la hiérarchie et l'engagement personnel au travail restent des valeurs qui doivent guider le travail de tous les jours. L'aide aux chargeurs en République démocratique du Congo, surtout les corridors, ne peut pas s'entendre dans un climat d'anarchie. La délégation syndicale nationale se voit responsabilisée pour une éducation ouvrière des agents afin d'éviter la perturbation intempestive du travail. Le nouveau directeur général par intérim, Philippe Kiumpu Kinyoso, s'est apesanti sur le rôle indispensable que doit jouer l'Office dans les efforts du gouvernement de promouvoir les échanges commerciaux dans un contexte de libre-échange africain imminent. Le fret sur les transports multimodal exige sécurité et sûreté. L'Office de gestion du fret multimodal doit être capable de répondre efficacement aux besoins des chargeurs. Cette réunion devrait être le nouveau départ selon les orientations de la tutelle pour qu'enfin la sérénité revienne dans le travail quotidien de cet établissement public, a tenu à rappeler le nouveau directeur général, Philippe Kiumpu Kinyoso. Les sous-traitants sont des acteurs importants dans le secteur minier. La bonne information de la loi sur la sous-traitance s'avère importante du fait qu'elle offre des avantages à ces derniers. Des explications pour l'octroi des contrats ont été fournies par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Mihai Ndeki, reportage. Les niveaux d'application de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, telle est la matière décortiquée par le DGA de la RESPE Alain Boussy lors de la conférence de presse trimestrielle organisée par la Chambre de Mines.
Le sous-traitant étant l'un des acteurs importants dans la relance du secteur minier, la bonne information sur la loi de la sous-traitance s'avère indispensable. Dans son speech à cette cérémonie, le DGA de la RESPE a renseigné qu'il y a déjà des avancées significatives dans la mise en application de la dite loi. Vous avez eu le témoignage du président du club des sous-traitants national qui dit effectivement les choses commencent à avancer. Et ça va aller comme ça progressivement jusqu'à ce que nous puissions faire en sorte que les Congolais à 100% accèdent à tous les marchés de sous-traitants. Et pour faciliter l'accès aux contrats des soumissionnaires, la RESPE travaille en synergie avec les entreprises principales pour mettre tous les appels d'offres à travers son site web afin de fournir des explications claires. Nous sommes en train de discuter avec les entreprises principales pour faire en sorte que tous les appels d'offres soient logés dans le site web de la RESPE, de telle sorte que l'information parvienne à tous ceux qui veulent soumissionner, de telle sorte que les Congolais aient l'information et puissent effectivement accéder au marché. Il y a lieu de souligner que des instructions claires ont été données à la RESPE par le chef de l'État pour accomplir cette mission. Au cas du non-respect, s'ensuivra la sanction suprême, soit la fermeture des entreprises non conformes à la loi. Et nous allons terminer par ce culte écuménique en faveur de la RDC, plus particulièrement pour la paix dans la partie est du pays. Une initiative de la ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kaïnda-Maïna. Le stade de martyrs a adoré. Le stade a imploré miséricorde. Le cri des détresses a été élevé auprès de l'Éternel des armées pour que la République démocratique du Congo connaisse définitivement la paix. À l'initiative de la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda-Maïna, du reste intercesseuse, diaconesse et Mama Kipendano, les hommes de Dieu se sont succédés à la tribune, chacun en ses mots pour prononcer les oracles, jeter la confusion dans le camp ennemi et tonifier la puissance de feu des forces armées de la RDC. Des prières sont aussi allées au Très-Haut pour la sagesse et l'intelligence couvrent le premier d'entre nous, le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Dans la joie d'une victoire certaine acquise par la foi, les chantres chrétiens ont embrasé le stade de martyrs et scellé l'unité du peuple de Dieu derrière la cause de la RDC menacée par ses voisins. En fervente chrétienne, la princesse Adèle Kaïnda-Maïna, qui a réussi cette mobilisation du sacerdoce congolais, reste persuadée du triomphe du bien représenté par la République sur le mal incarné par les agresseurs. La prière n'est pas une faiblesse, mais c'est une confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il est le consommateur de notre foi. Ésaïe 43 nous dit, ne crains rien, je te connais par ton nom. Il parle de Jacob, qui est devenu Israël, mais aujourd'hui parle de la RDC. Il dit, même les eaux du fleuve ne te suggéreront point, ni le feu ne te brûlera point, ni la flamme ne t'embrasera pas. Et je bénis le Seigneur parce que Esdras 10:4 nous dit, lève-toi, cette affaire te concerne. Et aujourd'hui, nous nous sommes mis debout. En présence de plus de 70 000 personnes mobilisées comme un seul homme pour dire non à l'agression dont est victime la RDC, il y a lieu de dire, sur le plan spirituel, que la communion est acquise et la victoire certaine. Le vœu de la princesse Adèle Kaïnda-Maïna exaucé. Nous disons amen et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal réalisé par Pécho Mubenga Yakasunga et Patrick Bapuila sous la conduite technique de Joseph Nzenzo, Emile Zola et Alain Ngalia. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Mukumina Seduga est complètement terminé. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.